Léo. Cléo! Je t'ai déjà demandé de laver ces assiettes hier soir. Je suis vraiment désolée. Je vais tâcher de m'en occuper. Tâcher de t'en occuper? Je n'ai pas entendu le réveil et je serai bientôt en retard en cours. En plus, j'ai rendez-vous avec Ricky et Emma. Qu'est-ce que ça veut dire? Les assiettes sont sales et papa est en train de criser. Je ne suis pas ton esclave. Évidemment que non, puisque je te paye grassement. Oui, mais j'en ai ras-le-bol, je rends mon tablier. Désolée, c'est fini. Salut. On a quelques trucs à régler ensemble, à propos de Emma, Ricky et Cléo. Quoi? Eh bien, elles ne veulent plus entendre parler de moi. Du coup, moi non plus, je ne veux plus entendre parler d'elle. Oh, Charlotte, tu ne crois pas que tu t'emballes un peu, là? Non. Elles me l'ont dit sans prendre de pincettes. Ah ouais? Ça ne leur ressemble pas. Eh bien, tu ne te rends pas compte de leur méchanceté, Lewis. Elles m'ont complètement repoussée et sans aucune raison. J'ai fait quoi pour mériter ça? Hein? Je n'en sais rien. Oui, tu vois? Je sais que jusqu'à présent, c'était tes amis, mais il va falloir que ça change. Je ne comprends pas. Si je ne suis plus moi-même amie avec elle, toi non plus, du coup. Tu es sérieuse, hein? Rassure-moi, tu rigoles. Je ne te demande rien, à part de me témoigner un peu de loyauté. Évite de les fréquenter, en particulier Cléo. Fais-le pour moi. Ouais. À quelle heure on va arriver en cours? J'ai jamais été aussi en retard. Oh, qu'est-ce qui peut nous arriver au pire? Eh bien, on risque d'avoir des heures de colle ou bien des devoirs supplémentaires, enfin, tu vois. Bon, tu te détends? Salut, désolée pour le retard, c'est sympa que vous m'ayez attendu. J'ai un truc à vous dire. Ça peut pas attendre, ils sont tous déjà en cours. C'est à propos de cette histoire avec Charlotte. Je sais qu'on a dit qu'on n'y parlerait plus, mais... Cléo, tu retournes ta veste, là ou quoi? Charlotte, même si c'est une sirène, elle ne mérite pas d'être notre amie, point barre. Et Lewis, qu'est-ce que vous en faites, hein? Pareil, s'il est avec elle. Tant pis pour lui, il a qu'à assumer ses choix. Ricky a raison, désolé. On est tombés d'accord là-dessus. Te voilà. Bon. Les assiettes. Ah, bon, d'accord. Je vais juste aller me changer d'abord, si tu veux bien. Cléo, on se partage toutes les tâches ménagères dans cette maison. Tu aurais dû t'en occuper ce matin quand je te l'ai dit. Ah, bah désolée. Écoute, je m'en occupe bientôt. Non, tu le fais maintenant! D'accord. Je me change et je la fais ta vaisselle. Lewis? Cléo. Écoute, le truc c'est que je peux pas trop te parler là. Tu as passé la journée à m'éviter à l'école, non? Est-ce que tu as décidé de m'ignorer? Non, ce qu'il y a, c'est que Charlotte, ça la dérange un peu de me voir discuter avec toi. Quoi? Ah ouais, je sais. Mais ça ne durera pas. Est-ce que c'est ce que tu veux toi, ou est-ce que c'est Charlotte qui l'exige? C'est compliqué. Bon, allez, je te laisse, bisous, à plus. Où est-ce que tu vas, là? Les assiettes? Tu dis que tu vas te changer. Tu n'en fais rien. Et maintenant, tu sors en douce. Qu'est-ce qui se passe, Cléo? Kim, tu as une seconde? J'aimerais te parler. Cléo, ces assiettes relèvent de ta responsabilité et non de celle de Kim. Alors va t'en occuper. Sont les gants pour la vaisselle? Tu n'en as pas besoin. Maintenant, tu te mets au boulot. On ne sortira pas d'ici tant que ce ne sera pas fait.
Cléo! Est-ce qu'elle est cruche, celle-là, quand elle s'y met? Tiens, tiens, regardez qui voilà. Tu as dit à Lewis de ne plus m'adresser la parole? Qu'est-ce que tu vas chercher? Si Lewis n'a plus rien à te dire, c'est sûrement parce qu'il s'est lassé de toi. Tu connais Lewis? Il est trop gentil pour te le dire en face, alors. Je vais te le dire moi-même. La seule raison pour laquelle il a pu t'aider, c'est qu'il avait pitié de toi. Je n'en crois pas un seul mot. Tu n'as pas saisi? Lewis ne veut plus entendre parler de toi. Battre à ce jeu. Regarde-toi. Dire que tu oses te prendre pour une sirène. Ma pauvre fille. Tu n'as rien à faire avec ça. C'était à ma grand-mère. Il est à moi maintenant. D'ailleurs, il aurait toujours dû m'appartenir. Génial. C'est étonnant que Cléo te l'ait donné. J'ai été surprise, moi aussi. Ce médaillon a de l'importance à ses yeux. Elle a dû voir qu'il en avait encore plus pour moi. Tiens, tu veux bien me l'attacher? Ça me va bien. Tu ne trouves pas? Merci. Bonjour, c'est Lewis. Merci de me laisser un message. Lewis, tu m'as vraiment laissé tomber. J'ai toujours cru que je pouvais compter sur toi, qu'on était du même côté, qu'on était ensemble tous les deux. Je croyais vraiment, oui, que je comptais encore pour toi. J'ai dû me tromper. Il est tard, on en a encore pour longtemps. Allez, reste une dernière question. C'est sûrement H. Allô? Ah, bonsoir, monsieur Sertori. Ici? Non, Cléo n'est pas là. Non, elle n'est pas avec Ricky. Ricky est à côté de moi. Entendu, je passe quelques coups de fil et je vous rappelle très vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Cléo, elle a disparu. J'espérais que ce serait Cléo. Elle n'est toujours pas là? Non.
On a cherché partout, on a contacté tous les gens qu'on connaît, et personne ne l'a vue. Elle n'est jamais restée dehors aussi longtemps. Où est-ce qu'elle pourrait être? J'ai appelé Lewis, sans réussir à le joindre. À votre place, je ne compterai pas trop sur lui en ce moment. On ne peut pas dire qu'on soit en très bon terme depuis quelque temps. Elle ne vous a rien dit du tout, à vous deux. Je sais qu'à vous, elle ne cache rien. Allez, j'appelle la police. Où est-ce qu'elle aurait pu aller? J'étais pourtant sûre qu'on allait la retrouver. On dirait qu'elle cherche à nous éviter. Écoute, j'admets que j'étais contre, mais il y a bien une personne à qui elle voulait parler. Tu l'as retrouvée? Non. C'est bizarre. Moi, je suis sûre que j'avais mon téléphone hier, en plus. Donc, tu n'as pas parlé à Cléo aujourd'hui? Non. Pourquoi tu fais ça? Pour rien. Ça te dit un petit jus? Ouais. Je t'invite. Alors. Lewis, tu m'as vraiment laissé. J'ai toujours cru que je pouvais compter sur toi, qu'on était du même côté, qu'on était ensemble tous les deux. Je croyais vraiment, oui, que tu... Qu'est-ce qui se passe? C'est Cléo, elle a disparu. Lewis! Elle n'est pas rentrée chez elle hier soir. Quand on connaît Cléo, on sait que ça ne lui ressemble pas. Emma et Ricky sont allés la chercher partout. Vous êtes, à mon avis, le seul qui puissiez m'aider, Max. Moi? Et comment? Vous voyez, j'aurais dû vous écouter. Lorsque vous m'avez dit de m'accrocher à elle, vous aviez raison. Mais là, il faut que je la retrouve. Est-ce que vous auriez une idée? Ah, Lewis. Tu as vu la taille de l'océan? Elle pourrait être n'importe où. Elle ne se fait pas à l'idée d'être en même temps une jeune fille normale et une sirène. C'est comme Gracie. Être une sirène l'a rendue malheureuse, elle aussi. C'est loin d'être évident de parvenir au bon équilibre entre les deux mondes. Certaines meurent sans l'avoir trouvée. Et Gracie, où se réfugiait-elle quand elle disparaissait? Du côté du récif de Drayton, au large de Mako, au nord de l'île. Le récif de Drayton? Et c'est le lieu de reproduction des requins? Elle pourrait aussi ne pas y être. Et si jamais elle y est? Elle aura peut-être des problèmes. Si elle est affaiblie, les requins le sentiront. Il faut que j'y aille. Une seconde.
Ah, te voilà. Où tu vas comme ça? Cléo a disparu. Je pars à sa recherche. Tu reviens sur tes engagements. Tu avais promis de ne plus lui parler. Pourquoi tu as pris mon téléphone? Je l'ai retrouvé dans ton sac à main. J'allais te le rendre. Je l'avais simplement fait disparaître pour que tu ne sois pas distrait. Tu es sûr qu'elle te l'a vraiment donné? Sois honnête avec moi. Bien sûr que non. Je l'ai forcé. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'elle a perdu, c'est tout, Lewis. Et à plus d'un titre, même. Je te déconseille d'y aller. Si tu t'en vas, c'est fini. Tu m'entends? Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Il va falloir faire un choix. C'est elle ou moi. Il n'y a vraiment pas lieu de choisir, Charlotte. Je n'ai plus rien à te dire. Comment ça? Tu te sépares de moi? C'est bien ça, oui. Pourquoi tu es venu me chercher, Lewis? Pourquoi, à ton avis? Je me suis mal comporté, je sais. Je n'aurais jamais dû accepter de cesser de te voir. Tu m'es plus cher que n'importe qui. Tu oublies Charlotte. Je me suis séparé d'elle. On n'est plus ensemble. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Non? Non. Tu en as mis du temps à te rendre compte. Il m'arrive par moments d'être un peu lent. Mais j'ai pris conscience que tu avais raison. Dans ton message, je t'ai abandonné. J'en suis vraiment désolé. Je ne le referai plus. C'est nous la priorité. Toi et moi. Si tu es d'accord. Tu parles d'amitié, là? Je parle de beaucoup plus que ça.
Si Cléo n'est toujours pas réapparue au-delà du délai de 24 heures, la police aura besoin de photos. Elle est drôlement jolie là-dessus. Salut. Cléo. Je n'aurais pas dû disparaître comme ça, je sais. Tu es revenue. Oui, je suis là, papa. Tu peux dire merci à Lewis, d'ailleurs. Merci beaucoup, Lewis. Ah, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Tu m'as rendu ce que j'ai de plus précieux. Où est-ce qu'elle était? Cléo, est-ce que ça va? Ouais, à merveille. Maintenant. Oh, on a cru devenir dingue. Oui, je sais, excusez-moi. Ce n'était vraiment pas mon but de vous inquiéter. Nous aussi, on est désolés. Tu aurais dû pouvoir compter sur nous. Lewis, j'ignore comment tu as fait, mais tu es un héros. Oh non, dis pas ça. Ouais, en réalité, j'ai ça dans mes gènes, je crois. Cléo, j'aurais dû te le répéter plus souvent, mais chaque fois que tu auras besoin de me dire quelque chose, quoi que tu aies à me dire, je serai toujours là pour t'écouter. D'accord, ma chérie? C'est noté. C'est sincère. Oui, c'est entendu.